Pouvoir profiter d'une conduite en continu et sans arrêt commence par une habitude simple, la vérification des pneus. Il est important de vérifier ses pneus au moins une fois par mois, surtout avant ou après un long trajet. Ça vous aidera à être plus confiant sur la route. Pour commencer, assurez-vous que votre voiture est stationnée dans un endroit sûr et que le moteur est éteint. Observez ensuite vos pneus pour vous assurer qu'il n'y ait pas de présence visible de cordes, de fissures, de bosses inhabituelles, de perforations, de coupures ou que les flancs ne soient pas fendus. Si c'est le cas, vous devez faire vérifier vos pneus dans le centre de service de votre concessionnaire Chevrolet. Un moyen rapide de vérifier l'usure de vos pneus est d'utiliser une jauge de profondeur de pneus. Si la profondeur de la bande de roulement est inférieure à 2/32e de pouce, vous devez faire remplacer votre pneu. Si vous n'avez pas de jauge de profondeur de pneu, faites le test du 25 cents. Insérez une pièce de 25 cents dans une des rainures du pneu avec la tête du personnage tournée vers le pneu. Si la tête du personnage est entièrement visible, ça signifie que les rainures sont usées et qu'un remplacement est nécessaire. Vous pouvez aussi regarder attentivement les indicateurs d'usure de la bande de roulement autour de votre pneu. Si ces indicateurs sont au même niveau que votre bande de roulement, il est temps de faire vérifier votre voiture. Le maintien d'une bonne pression des pneus est également important pour aider votre sécurité. Des pneus qui ne sont pas adéquatement gonflés peuvent entraîner une surchauffe ou même un éclatement. Une usure irrégulière, une mauvaise tenue de route et une augmentation de consommation de carburant. S'ils sont trop gonflés, les pneus risquent également de s'user de manière irrégulière, de complexifier votre conduite et de s'endommager plus facilement par les dangers routiers. Quelle est donc la pression optimale de vos pneus? Vous n'avez qu'à consulter la plaque signalétique des pneus sur le montant de la porte du côté conducteur. L'information se trouve également sur l'appli mobile My Chevrolet. Pour vérifier la pression de vos pneus, consultez le système de surveillance de la pression des pneus de votre voiture qui vous alertera lorsque la pression de vos pneus sera faible. Si le voyant du moniteur de pression des pneus demeure allumé avec un message d'alerte, vous devez vérifier et ajuster la pression d'air de vos pneus au niveau recommandé. Si le voyant jaune clignote pendant plus d'une minute, il se peut que le système de surveillance de la pression des pneus soit défectueux et qu'un service de diagnostic soit nécessaire. Vous pouvez également utiliser un manomètre pour mesurer manuellement la pression de vos pneus. L'information de pression se trouve aussi sur l'appli mobile My Chevrolet. Vous n'avez qu'à appuyer sur l'icône d'état du véhicule située sur l'écran d'accueil. Si votre véhicule est muni du système d'alerte de gonflage des pneus, celui-ci activera les feux clignotants lorsque vous ajoutez de l'air à un pneu sous-gonflé. Et lorsque la pression recommandée est atteinte, les feux cessent de clignoter et le klaxon se fait entendre à une reprise. Assurez-vous d'effectuer une vérification régulière de vos pneus. Et surtout, bonne route.